sept leviers qui ont souvent pour moi été l'occasion d'une accélération importante dans la réussite de mes projets. Un des premiers éléments qu'on trouve chez toutes les personnes qui ont des petits ou des grands succès, c'est qu'ils sont animés intérieurement de ce qu'on va appeler un rêve de cœur. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose en eux qui les porte plus que tout. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire passer, de donner à d'autres. Vous voyez, c'est un rêve en termes de dons. Le deuxième point, on va trouver des personnes qui vont nous inspirer en fait à travers ce projet, c'est trouver des mentors. Pourquoi ces mentors? Parce qu'ils vont ouvrir le champ des possibles. Un mentor, c'est quelqu'un qui a intégré ce à quoi vous aspirez. C'est donc d'avoir un, deux ou trois mentors qui puissent vraiment vous inspirer dans le cadre du projet pour lequel vous êtes animé. La troisième chose qui a aussi pour moi été très importante, c'est la capacité à construire une équipe de gens qui peuvent m'apporter ce que moi j'ai pas. Ça peut être par exemple de l'argent que vous n'avez pas, du temps que vous n'avez pas, des compétences que vous n'avez pas. Enfin, il y a la dynamique des réseaux. Il y a les réseaux de gens qu'on appelle des contacts chauds. Ce sont des gens qui font la même activité que vous. Et puis, on a ce qu'on appelle les contacts froids. Là, ce sont des réseaux, mais qui ont des métiers différents. Comment je peux aller me connecter, que ce soit dans des clubs d'affaires, mais aussi, bien sûr, dans les réseaux sociaux, et donc, du coup, démultiplier l'impact de nos communications, de nos actions. Après, ce qu'il vous faut, au-delà des réseaux, c'est de la formation. C'est-à-dire que les experts vont affûter en permanence leur expertise. Et là, du coup, de continuer à se former, à évoluer, à enrichir en quelque sorte notre expertise pour pouvoir la faire reconnaître. Il y a un autre point qui est très important, c'est la technologie. C'est-à-dire comment utiliser aujourd'hui la richesse de toutes ces technologies qui nous entourent. Aujourd'hui, par exemple, le fait d'avoir investi beaucoup sur Internet sur ces deux dernières années, ça nous permet, grâce à des technologies qui existent, eh bien, d'optimiser énormément notre facteur de communication. Enfin, le dernier point, je dirais, c'est oser faire des demandes, oser interpeller les personnes qui pourraient vous aider à faire les prochains pas. Oser pousser des portes dont vous pensez qu'on va vous dire non. Et c'est incroyable parfois le nombre de oui que vous aurez, surtout si vous êtes clair sur ces éléments-là.